Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui on n'est pas au bord de l'eau. Parce que chez nous là en Vienne on a un temps pourri. C'est vrai que depuis une semaine maintenant on a un temps qui est pas très très adéquat à la pêche. Après bon, le vrai pêcheur il va à la pêche sous tous les temps. Mais là en ce moment je vais pas vous mentir, c'est vrai que j'ai le plan d'or qui est en train de bien évoluer. C'est vrai que j'ai pas mal de commandes à faire en ce moment, donc la pêche je l'ai un peu mise de côté. Voilà, je fais des petites pêches rapides de 2-3 heures maintenant en rivière. D'ailleurs je vais vous filmer quelques sessions début d'année prochaine. Il y aura un peu plus de vidéos bien sûr au niveau de la pêche. C'est vrai que cette année a été plutôt un peu mouvementée. Donc je vous fais cette vidéo un peu pour vous parler un peu plus précisément du plan d'or, parce que c'est vrai que je vous en ai parlé vite fait à l'étang des Bussières, comme quoi la boutique devait ouvrir, mais c'est vrai que je vous ai jamais fait une vidéo que pour le plan d'or. Donc bienvenue à tous déjà pour ceux qui me connaissent pas. Donc j'ai ouvert mon entreprise de fabrication de plomb il y a maintenant 6 mois. Donc je l'ai ouvert le 12 juillet. Et donc là de jour en jour je reçois plein de nouveaux clients et de nouvelles personnes qui m'envoient des messages de soutien. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Là actuellement je suis sur une boutique, donc sur une plateforme si vous voulez sur internet. Ça s'appelle Geocarp Marketplace. Et donc dessus vous pouvez retrouver ma boutique Le Plan d'Or. Dessus il y a plein d'autres boutiques si vous voulez. Et donc dessus il y a tous mes produits. Voilà, je vais vous faire la petite surprise en vidéo. J'ouvre mon site internet début d'année prochaine. Donc voilà, vous aurez de quoi commander pas mal de plomb et pas mal d'autres petites choses à côté. Je vais vous en parler juste après. Donc en fait c'est pas compliqué hein. Le but du site en fait ça va vraiment être de cibler vraiment mes plombs. Donc parce que c'est vrai que bon, quand t'es sur une plateforme ou autre, c'est plus compliqué à gérer. Enfin, le gérant de la plateforme doit gérer plusieurs boutiques en même temps. C'est vrai que c'est pas évident. Et puis voilà, comme ça, moi, ça me permettra d'avoir mon site internet. Si je veux faire telle chose à tel moment, je pourrais le faire. Donc voilà. Je voulais aussi vous présenter quelques petits produits que je fabrique. Parce que c'est vrai que j'ai jamais eu trop l'occasion de vous en présenter. Donc voilà, là, il y a un petit backlid. Donc les backlids que je fais en coulissant. Je sais pas si vous allez bien voir. Si l'autofocus se fait bien. Hop. Je fais aussi les grips pleins inline. Donc voilà. Donc là avec la couleur algue camo. Hop, bah, il est tombé, il tombera pas plus bas celui-là. Un petit plomb triface. Donc pour ceux qui aiment bien la distance, ceux-là c'est vrai qu'ils sont top. Avec un camouflage vert pigmenté. Voilà, hop. Après je fais aussi des camouflages rugueux. Pour ceux qui pêchent surtout en rivière et en lac, même en gravière, où il y a un substrat assez sableux, je fais deux types de camouflage, si vous voulez, sableux pour l'instant. Donc il y a voilà, en plomb distance, en sable gravel gris. Donc là, c'est vraiment rugueux, ça accroche un peu le fond. C'est vrai que ça se morfond vachement bien avec les substrats sableux. Et je l'ai fait aussi en sable des plages. Donc là, j'en ai pas actuellement, mais je vous en ferai voir dans une prochaine vidéo. Donc après, je fais aussi des plombs cubes. Donc voilà. Hop, donc de plusieurs grammages bien sûr. Je fais les grips creux. Je pense que la plupart des personnes vont comprendre pourquoi je rigole, parce que c'est vrai que la moitié des pêcheurs, j'ai fait un sondage, plus de la moitié des pêcheurs pêchent avec les grips, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je fais aussi les grips creux arrondis. Voilà. Je les fais en plusieurs formes. Tac. Les plombs branches aussi, pour ceux qui pêchent beaucoup en stalking et dans les endroits un peu, comment dire, dans les bordures où il y a pas mal de branches et de feuilles, c'est vrai que ça va vraiment bien avec le fond. Voilà. Hop. Les grips pleins aussi. C'est vrai que j'en vends pas mal, des grips pleins. En sable orangé. Tac. Et le plomb inline triface. Voilà. Donc pour l'instant il y a 11 produits en vente. Début d'année prochaine il y en aura un peu plus, vous allez voir, vous allez être content parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui vont sortir. Donc l'année 2021, les 6 mois là ils m'auront bien appris ce que les clients veulent le plus et ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils attendent de moi aussi.
Donc c'est vrai que c'est vraiment important pour moi d'avoir un échange avec les clients. Alors pour ça, je fais des lives TikTok. Donc pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'essaye de faire 2-3 lives par semaine. Voilà, donc comme ça je peux échanger avec les clients s'ils ont des questions, s'ils ont des conseils ou des avis sur les plombs. Voilà, ça permet d'être vraiment en échange direct. Pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, 2 à 3 fois par semaine, il y aura des lives sur TikTok de 1 heure, 1 heure et demie. Et voilà, donc aussi, je voulais vous dire que j'ai créé ma marque de gobelets, enfin du moins le plomb d'or avec des gobelets en plastique, donc avec les centilitres derrière. Hop, voilà, tac. Donc c'est vrai pour tous ceux qui boivent beaucoup à la pêche. Bon, bien souvent on amène des tasses ou des verres en plastique mou. Le problème des verres en plastique mou, voilà, c'est qu'on les jette et tout. Donc pour la pollution, c'est vrai que c'est pas top. Alors que ceux-là, ils sont donc c'est fait avec du plastique bio, recyclé. Et voilà, ceux-là, vous avez juste à passer un coup d'eau et c'est bon. Après, ils sont lavés, vous pouvez vous en servir des trentaines et des trentaines de fois. Ils supportent les boissons chaudes et froides, hein, bien sûr. Donc voilà, des verres assez résistants. Pour tous ceux qui n'avaient pas vu la vidéo avec Théo, la dernière sortie, donc j'ai ma marque de vêtements aussi. Donc pour l'instant, c'est que pour l'équipe. Donc pareil, je vais vous expliquer après pourquoi l'équipe. Et donc en fait, on a un pull et un t-shirt Le Plomb d'Or et avec derrière nos prénoms. Je souhaite aussi bien sûr faire la marque pour les pêcheurs. Après, j'attends d'avoir pas mal de demandes et voilà des retours de pêcheurs, savoir si ils souhaiteraient avoir quelques vêtements du Plomb d'Or. C'est vrai que ça pourrait être sympa pour voilà au bord de l'eau, si jamais on se croise. C'est vrai que ça pourrait être quelque chose de sympa. Après voilà, j'attends l'échange du pêcheur et savoir ce qu'il en pense pour pouvoir lancer une fabrication, parce que je peux pas lancer une fabrication pour 3 personnes. Donc voilà, aussi j'ai plusieurs projets. Après, faut me dire ce que vous en pensez, si ça pourrait vous intéresser ou pas. Je voudrais aussi faire des casquettes Le Plomb d'Or, des bonnets Le Plomb d'Or. Je voudrais aussi faire des gants, des jeans pour ceux qui des jogging, pardon, excusez-moi, pour ceux qui souhaiteraient. Je peux faire pas mal de choses. Après, si vous avez d'autres avis ou quelques conseils de ce que je pourrais faire, n'hésitez pas, hein, mettez un petit commentaire et ça sera avec grand plaisir que je vais vous répondre. Donc voilà, on est une équipe, Le Plomb d'Or, on est 8. Donc voilà, il y a moi, il y a Amanda, il y a Théo, celui que vous avez vu sur la vidéo qui est sorti juste avant celle-là. Il y a Romain, Julien, Maxime, Alexis et William. Donc voilà, pour l'instant, une petite équipe avec voilà 7 consultants. Et donc pourquoi j'ai pris des consultants? Alors c'est très simple. En fait, je prends les consultants déjà pour qu'ils puissent tester mes produits. Donc bien sûr, ils ont des avantages. Après, voilà, ça c'est privé. J'essaye de prendre des consultants, si vous voulez, un peu partout dans la France, dans chaque région. Pour l'instant, je me limite à 10 consultants. Après, à voir avec le temps, si le plan d'or évolue bien, bien sûr, il y aura d'autres consultants qui vont rejoindre l'équipe. Il n'y a aucun problème sur ça. Et j'en doute pas d'ailleurs, je suis quasiment sûr à 100% que d'ici juillet 2022, il y aura plein d'autres consultants qui vont rentrer dans l'équipe. Alors je mets quelques conditions en place. Les seules conditions, c'est voilà, comme j'ai dit aux consultants, c'est pas pour me faire une marge sur les vêtements, c'est vraiment pour qu'on puisse, comment dire, si un jour on se regroupe, voilà, qu'on ait nos vêtements, qu'on représente bien l'équipe. Donc les seules conditions, en fait, c'est juste d'acheter un t-shirt Le Plomb d'Or et un pull, un sweat ou ce que vous voulez pour au bord de l'eau. Donc voilà, comme j'ai dit aux consultants, moi je leur dis de pas se mettre de pression pour ça. Il n'y a pas besoin de tous les jours partager mes publications. Toujours venir m'écrire pour faire des retours du plomb. C'est pas ce que j'attends. Au contraire, moi ce que je veux, c'est que on ait une très bonne entente, ce qui est le cas. Et que voilà, ils partagent les produits au bord de l'eau. S'il y a des pêcheurs qui viennent leur parler, pourquoi pas vite fait parler du plomb d'or. Après voilà, moi c'est ce que j'ai dit à mes consultants. Le but, c'est pas de se mettre une pression à la pêche, hein. C'est pas le but de la pêche. Donc voilà. Après bon bah, comme je vous ai dit, hein, si jamais vous avez des conseils ou autres, dites-le-moi en commentaire. Tout est bon à prendre. Donc encore un grand grand merci à vous. C'est vrai que ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là pour me soutenir.
Je vois que depuis 6 mois, ouais, je reçois des messages, toutes les semaines, je reçois des messages pour me dire que je suis motivé, qu'à 19 ans, c'est bien de s'être lancé dans l'auto-entreprise. C'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident au début. Après, avec le temps, voilà, j'arrive à bien surmonter le passage. Donc, je pense qu'il y a moyen de quelque chose, il y a moyen de faire quelque chose, excusez-moi, il y a moyen de faire quelque chose dans cette entreprise. Après, voilà, c'est le reste, c'est à vous de partager un maximum si vous pouvez. Et j'espère que mes produits vous plaisent. Donc voilà, là on va tout de suite passer sur mon ordinateur pour que je vous fasse voir vite fait la boutique, pour que vous voyez un petit coup d'œil sur ce que je présente. Et puis voilà, bon bah je vous dis à toutes, allez salut. Bon voilà, on se retrouve sur internet. Vous pouvez aller sur n'importe quel navigateur de recherche, il n'y a aucun problème, vous trouverez. Donc vous tapez Géocarp, hop, Marketplace. Faites rechercher, tac, vous allez sur le premier lien, voilà, et là vous êtes sur la boutique, donc du moins sur la plateforme, excusez-moi. Donc là voilà, vous avez RG Bouillette qui est dessus, il y a Coabate, Colossus aussi qui est dessus, ben voilà le plan d'or. Et puis voilà, donc voilà, vous descendez un peu, vous cliquez sur le plomb d'or. Et puis là, vous avez tous les produits qui s'affichent. Donc les backlit, gobelets, le pack découverte aussi. Donc, pour ceux qui voudraient voir un peu tous les plombs. Plomb branche, grippe, triface. Donc voilà, comme je vous ai dit, pour l'instant, il y a 11 produits avec plusieurs grammages différents. Donc voilà, vous cliquez sur le produit, hop. Au niveau du poids, vous choisissez votre grammage. Par exemple, vous voulez un plomb distance de 100 grammes. Couleur vert pigmenté. Ah, vous voyez, il y a le plomb vert pigmenté qui s'affiche. Si vous voulez sable des plages, ben regardez, tenez, je vais vous le présenter. Hop là, voilà. Alors, attendez, tac. Voilà, donc pour ceux qui pêchent sur un substrat assez sableux, c'est vraiment top. Hein, c'est vraiment top. Après, en fait, si vous cliquez par exemple, alors attendez, je vous montre un petit exemple. Si vous voulez un grip creux, par exemple, le sable des plages, ça va être un plomb distance qui va s'afficher pour que vous puissiez voir le camouflage. Parce qu'en fait, je ne peux pas me permettre de prendre un camouflage pour un plomb à chaque fois. Parce que si vous voulez, ça serait une perte d'argent pour moi. Donc si vous voulez, vous cliquez sur sable des plages pour le grip creux. Voilà, ça c'est un plomb distance qui va s'afficher, mais c'est juste pour que vous puissiez voir le camouflage. Moi, quand vous avez passé commande, bien sûr, je vais vous faire un grip creux avec la couleur sable des plages. Il n'y a aucun problème sur ça. Donc voilà, après, vous ajoutez au panier, tac, vous ajoutez un produit ou plusieurs. Hop, voir le panier. Par contre, je fais livraison Colissimo, ça va changer d'ici peu de temps. Avant, ça va être en point relais pour que ça soit un peu moins cher. Puis voilà, après vous validez la commande et etc. Donc voilà, c'était une petite présentation vite fait du site, en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager un maximum. Et puis sur ce, on se dit à plus tard. Allez, salut les gars.